C'est un journaliste.
Barbados. Cette victoire, le cadre de l'élection, c'est pas participer à l'élection. Comment vous jouez? Écoutez, ça, ça n'engage qu'au camp adverse. Ce qui est sûr, il y a eu, on a reporté cette élection qui devrait se passer hier à cause de ces responsables du camp adverse. Aujourd'hui, nous sommes passés à l'acte. Parce qu'on ne pouvait pas. C'est-à-dire, passe à l'acte. Évidemment, on est passé à l'élection, je vous l'ai dit. Donc, toi, c'est le seul maire de Matoto. Mon ami, regarde. Vous êtes le maire, qui sont les vice-maires, par exemple. Le premier vice-maire, c'est monsieur Sakaba de l'UFR. Le deuxième vice-maire, c'est Miguel Bizé. Après, monsieur Kikaï, Sissé. Le troisième vice-maire, c'est madame. Quelqu'un qui est devant là-bas. Mata, camarade de LB. Le quatrième vice-maire, c'est monsieur Mohamed Momo Camara du FPJ Arc-en-Ciel. Le cinquième vice-maire, c'est Ilhaj Bafodé Dramé, UFR également. Et le sixième vice-maire, c'est du RPG Arc-en-Ciel à la personne de M. Siaka Traoré. Et le septième vice-maire est donné à la personne du plus jeune, M. Isiaka Baga Bangoura, du PDG RDA Tchotcho. Monsieur le maire, quels seront vos défis maintenant, vu que vous êtes à la tête de cette nouvelle maire? Mon frère, les défis sont énormes. Mais le premier défi d'abord, c'est pour que tous les conseillers puissent mettre en tête cette commune, c'est la commune de Matoto d'abord. Nous devons faire en sorte que nous qui sommes les conseillers, que la population ait confiance à nous. Et pour le faire, il faut aller vers la base. Pour les sensibiliser, pour qu'ils puissent adhérer à nos projets de société. Un mot par rapport à l'absence de l'IFDG? Bon,
Je déplore, mais tout ce que je vais vous dire, il fallait être là avec un esprit démocratique. C'est la Guinée d'abord, c'est la commune d'abord, quelles que soient les adversités. Vous regrettez leur absence, c'est ça? Vous regrettez leur absence, c'est ça? Je ne le regrette pas, parce qu'il y a eu, dans la compétition, pour être élu maire de la commune de Makoto, il y avait plus de 17, 18 partis politiques. Mais il y a plus de 11 partis politiques qui ont été élus et des mouvements. Est-ce que vous étiez le seul candidat aujourd'hui? Vous étiez le seul candidat? Oui, j'étais le seul candidat parce que mes autres amis des autres partis ont bien voulu matérialiser et mettre leur confiance en ma modeste tête. Quel appel avez-vous à lancer à l'endroit des élus de l'UFDZ qui ont boudé la cérémonie? Je leur demande de venir. Cette réunion peut faire la force. Au-delà des adversités, la commune d'abord est le plus important. D'accord, merci. Il y avait plus de 17 partis politiques. Makoto ne doit pas se résumer à un seul parti politique. C'est la multiplicité de partis politiques qui ont contribué à ces élections. Et je suis très fier, avec satisfaction, que l'élection qui vient de m'élire maire de la plus grande circonscription électorale, qui a eu plus de 10 partis politiques et 2 mouvements qui m'ont élu à la tête de la commune de Makoto. Ça, c'est une joie immense et de satisfaction. Alors, quelles sont les données reçues lors des élections, lors de votre élection tout à l'heure? Vous avez eu combien de voix cette fois-ci? Combien de personnes ont voté pour vous? Il y a eu nombre de votants 31, il y a 30 qui ont voté pour moi, un bulletin de vote. Quelles seront vos prochaines priorités? Est-ce que vous allez appeler à collaborer avec les autres? Ça, c'est normal. Je vous dis, la priorité des conseillers communaux, c'est la commune de Makoto. C'est vrai, comme le président de la République, le professeur Alpha Condé, a dit, nous devons mettre en tête que la commune est un véhicule à 4 roues. Il faut qu'il y ait toutes les roues pour qu'au moins qu'on puisse arriver au bon port. Je leur tendrai la main, quelle que soit l'adversité, mais la population de Makoto désormais en train de nous regarder avec leur rétroviseur. On est tenu vraiment pour qu'on puisse travailler main dans la main, quels que soient les clivages politiques. C'est là le bien-être et le bien-vivre de la commune qui doit nous intéresser d'abord. Les 3 autres conseillers, c'est qui? Rappelez la composition du bureau en fait. La composition du bureau est comme suit. Le premier poste du vice-maire est revenu à l'UFR à la personne de monsieur Sakoba Keta. Il est là. Et le deuxième vice-maire est revenu à la personne de monsieur Ibrahima Sori Sissé du RPZ Arc-en-Ciel. Et le troisième poste vice-maire est revenu à madame Mbalou Fatoumata Kamara du RDIC. Ce qui vous dit qu'il y a une hétérogénéité vraiment du parti politique au sein du conseil communal de la commune. Quelles seront vos priorités dans les 5 prochaines années au bénéfice des citoyens de Makoto? Makoto a beaucoup comme priorité. La population de Makoto s'attend à beaucoup d'innovations. Mais la première priorité d'abord, c'est la quiétude sociale, la paix. Faire en sorte que la population ait confiance à leur nouvelle autorité. Il faut que cela soit vraiment réel. Deuxième, comme vous le savez, la plus grande circonscription électorale, le problème d'insalubrité, c'est un mot aujourd'hui qui gangrène. Il va falloir qu'on mette des stratégies appropriées avec des projets bancables pour que cela soit un souvenir lointain pour la population de la commune de Makoto. Makoto aujourd'hui n'a pas des hôpitaux. Nous avons des quartiers qui sont plus que la circonscription électorale de Kaloum. Donc vu la densité de la commune de Makoto, on a besoin de faire beaucoup, rien que les jeunes. Makoto n'a pas un lieu de divertissement. En tant que jeune, on va y penser à ça, surtout l'autonomisation et la formation des jeunes. Monsieur le maire, il s'est passé moi. Monsieur le maire, je dirais que la semaine dernière que je suis, et monsieur Alassane, Lassane Traoré, avons été mandatés par le général Bourema Condé, ministre de l'administration du territoire de décentralisation, pour procéder à l'installation des conseillers communaux de Makoto et à l'élection du bureau exécutif de cette commune.
Donc, à l'issue des scrutins qui ont été organisés à cet effet, un bureau exécutif a été mis en place. Le maire élu, à l'issue de ces différents suffrages, est M. Mamadou Ba Toss Camara. Ouais. Maire élu de la commune de Matoto pour un mandat de 5 ans. Avec lui, nous avons des adjoints qui sont au nombre de 7. Le premier s'appelle M. Sakoba Keita. Le deuxième vice-maire, c'est Ibrahima Sori Cissé. Le troisième vice-maire, Mme Balou Fatmata Camara. Le quatrième vice-maire, Mohamed Momo Camara. Le cinquième vice-maire, M. Bafoné Dramé. Le sixième, M. Siaka Traoré. Et enfin, le septième vice-maire, c'est M. Tissaga Tchotcho Bangoura. Donc, M. Mamadou Ba Toss Camara est officiellement le maire élu de la commune de Matoto. Combien de voix? Il est officiellement installé dans ses fonctions de maire. Il a eu 30 voix sur 31. Merci. Je suis le superviseur. Votre nom. Je suis le superviseur. Sécurité.